Rapidement le jeu de puissance. André Ghetto tire sur réception, la déviation dans la cage de but. Le but de Justin Sigrist sur le tir de Sven André Ghetto. 15-02. 16 petites secondes en power play. Le lancer d'André Ghetto. La déviation de Sigrist. Noro et André Ghetto aux assists. Morant. Le rebond et le but de Ryan Lash. 2-0 après 19 minutes. Ryan Lash. 5e but de la saison pour l'Américain en 10 matchs. Contré Gehring. Gehring va poursuivre son effort et tromper le portier Noël Bader. Patrick Gehring en short under pour le 3-0. On revoit la mauvaise passe de Rapperswil et Gehring qui met le puck, qui va dominer Aigli et ensuite tromper Noël Bader. C'est très subtilement et très intelligemment joué du capitaine zurichois. Sixième but. Bodenman, la récupération de l'arche au deuxième poteau pour André Ghetto. Et l'arbitre qui fait signe no goal. Et on va aller voir la vidéo du côté de Monsieur Stolch. 33-18. Et le but. Le but, nouvelle fois en short under. Raphaël Prassel. 5-0, 7e but de la saison pour Prassel. Le premier en situation spéciale, donc le premier en box play, lui qui a récupéré le palais derrière la cage et il trompe entre les jambières Noël Bader. 18-56. Il y avait une pénalité contre un joueur. Zatarić. Et le but de Rapperswil sur cet envoi de Ryan Zatarić. 53 minutes 29. Un but à 5 contre 5. On a peut-être été dévié. On va voir. Voilà, Loosely. N'est pas arrivé jusque sur la crosse du numéro 89. Prassel, Prassel qui va affronter au champ. Le but! Quel but! Le doublé de Raphaël Prassel. Deuxième but de la soirée pour l'attaquant numéro 18. Arsène. La récupération à la ligne bleue et Prassel qui peut aller seul affronter Rochaud. C'est compromis peut-être un peu tôt là, le gardien remplaçant de Rapperswil. 34 points au classement. Le lancer d'Aigli et le but, le deuxième but pour Rapperswil sur ce tir du poignet de Dominique Aigli. Septième but pour lui après 59 minutes. Ah, Ludovic Weber, il va partir trop tardivement le lancer de Dominique.